Chili actuellement, comme je dis. J'ai 5 ans Chili et ça t'écoute, bon, je vais finir après. Comment on va faire de 2 000 $ comme ça? Je t'écoute. Ou quitter Chili pour aller aux États-Unis? Non, pas aux États-Unis. Je dois vivre Chili. Je vais aller Chili. Ok, ou quitter Chili et vous arrivez aux États-Unis, c'est ça? Of course. Pour route là, comment trajet a été? Combien l'argent vous dépensez? Mon cher, je vais vous dire pour route là, pour faire aller, c'est 10 000 $ américains. En tout. Pas en tout, non, mettez 10 000 $ environ. Il y a quand même plus. Combien de temps nous prenons en route? Mon cher, route là, c'est route machine. C'est passé par Bolivie, Pérou, avec Colombie, tout pays là, pour entrer par Panama. Mais côté côté route là qui est pour le Bladan, c'est dans Selva. Et Selva c'est les forêts. Dans forêt on va passer dans l'eau. Et là qui est pour le route ça relo, route ça relo route mortel. Elle dit on passe là où vivre, où sont les routes. Et on va regarder route ça. Comment condition de vinoté et là nous arrivons côté NTA avant le gouvernement américain te prend. En parlant de Mexique. Alors nous faisons départ pour aller au Mexique. OK? Nous faisons départ pour aller au Mexique. Quand nous venons au Mexique, nous vivons tranquille. Mais pendant ce temps, je vis tranquille. Vous comprenez comment essayer déjà. Vous comprenez? Quand nous sommes là, nous liberté. Quand nous là, liberté que nous là pour tout le monde. Entrez sur le frontière américain. Quand nous là, ça qui passe. Le gouvernement américain qui a des projets là. Bon, pas le gouvernement américain. Et pas le gouvernement américain. Parce que dans la fête, comme ça fait illégalement. Ça qu'il faut dire illégal. Parce que à minuit, ils sont sortis avec nous, ils ont suivi les gens pour nous parler. Là, ils viennent à la porte, c'est où ils parlent, ils ont cherché pour nous mettre nous aller pour nous parler. Là, ils nous parlent, ils nous parlent, ils font un genre pour nous calmer, ils ferment tout, ils ferment les bus avec nous. Tout le même, battent mesdames, messieurs. Vous dites, battent mesdames, qui est-ce qui va sur Américains, gros minotes, foutent mesdames, coûte minotes, messieurs, coûte minotes, barrette à charger. Vous êtes bénéficié de ces pièces-là? Non, nous ne pouvons pas. Nous arrivons aux États-Unis, nous arrivons aux États-Unis, fermez-nous, pour nous capter la guerre. Fermez-nous dans la prison, mettez-nous, faisons 4 jours. Dans la prison, 4 jours sans procès, sans rien faire. Et dans notre monde, ils allaient demander à la terre, sous quel état nous. Nous sommes nous sommes tous après, tout nous sommes là. Est-ce que vous avez estimé à combien de monde qui est ensemble? Mon cher, je ne vais pas mentir, j'ai fait 3 bus, Red Marais à mon. Il y a 3 avions, 4 avions là. Parce que là, c'est l'haïtien. Il y a Guatemala et Guatemala représentation. Il y a une demande de tout. Où vient Haïti qu'on y a là et comment on peut le faire pour vivre? Bon, Haïti, comment on peut le faire pour vivre? Moi, bon, soit Haïti me quitte très loin depuis 2013. Ok, je me termine depuis 2011-2012, quoi, oui. Je quitte Haïti. Bon, je suis prêt à Haïti, je suis prêt à Haïti parce que je suis établi le système de vie à Haïti. Je suis établi le système de vie à Haïti. Qui ça te pousse à quitter Chili pour entrer aux États-Unis? Mon cher, ça te pousse à ce qu'on est. États-Unis, puis près, Chili, me fait 5 ans Chili, je vais rentrer à Haïti. Ça qui passe, ticket à cher, voilà ticket à cher, et voir contrôler. Parcours tellement long, trajet à long, et puis tout le monde est. Tout le monde a même vu les États-Unis. Malgré les États-Unis qui sont en tête, c'est le Canada. Vous comprenez? C'est le Canada. C'est le monde qui côté en Haïti. C'est qui côté? Moi, j'aime mettre tout le côté en Haïti. Donc, alors, Haïti, on a pas de presse. C'est le problème de la situation. Est-ce que vous comptez tourner encore? Moi, j'ai enseigné ma commission de Haïti. C'est pas capable. Tu vas ouvrir le Chili ou bien? Je vais pas fouiller le Chili. Parce que j'ai définitivement tout le bagage, ça fait les résidences permanentes. Définitivement, j'ai tout le bagage. Ah, ben, vous comptez tourner le Chili encore? À l'aise, en semaine, je vais tourner le Chili. Est-ce que vous avez besoin de l'argent? Non, parce que tout ça enferme sans aller. Je vais travailler au Chili parce que y a des gens qui toujours critiquent Chili. Pas de Chili, c'est le Chili. Non, Chili n'est pas comme ça vraiment. On a fait 3 000 $ avec chaque mois, 25 gouttes. Imaginons, dans un mois, je semble pauvre. Avec ça, je vais prendre plus que 11 000 $ américains. Mais combien de temps nous prenons sur la route de côté avec nous? Bon, nous sommes au Mexique, auparavant. Bien sûr, nous sommes au Mexique. Combien de temps nous faisons un mois, 7 jours au Mexique. À vivre au Mexique, on fait au Mexique. Parce que nous partons pour le Mexique, nous mettons que les tapacholas. Là, les tapacholas, là, toute gouffre haïtienne est gonflée. Et au gonflé, là, on va arriver à la capitale pour aller fermer ce montier. Parce que si on prend machine pour aller, l'immigration est longue. Good. Merci. Qui conseille à tous les petits jeunes qui t'ont aimé quitter le pays, qui vont au Mexique, de Mexique pour être aux États-Unis? Qui conseille à tous les jeunes? Bon, qui s'est passé? Les jeunes qui déplacent et allent de l'autre côté, c'est on va la chercher. Le conseil que je vais vous donner, c'est faire le bien, pas faire le mal, pas exactement même qui vient là, de l'autre côté, je ne vais pas me faire le même pour me tourner. Parce que les côtés dans le pays, pas oublier,
pays où sortir, il y a des difficultés à prendre. Et là, on peut encore. Si par exemple, tu as des femmes, tu as des bagages, tu as des enfants, tu as un petit poule, tu as des gars, tu as des mamans, tu as des femmes, tu as des femmes, tu as des femmes, tu as des femmes. Tu as des femmes. Merci.